départementale, même si nous avons des accords sur certains sujets, je compte sur nos deux conseillers départementaux qui sont dans la salle pour soutenir Noisy et Bobigny. Leur rôle premier est de défendre les dossiers de leur canton. Je survolerai, passez-moi l'expression, le dossier du T1, puisqu'avec le changement de majorité à la région Île-de-France, je compte sur les engagements de la nouvelle présidente Valérie Pécresse. Elle s'est donné la peine de venir sur le terrain et a pu constater que le tracé en plein centre-ville était une aberration. Elle a pris un engagement, celui de remettre à plat le projet actuel du tracé du tramway. Je veillerai à ce qu'elle le respecte. Nous soutenons le tracé par la plaine ouest pour participer au développement de la ville et de ce nouveau quartier. Noisy serait-elle la seule ville où il faille sacrifier son centre-ville? Noisy serait-elle la seule ville à subir la maxime de poids de mesure? Eh bien non. Le tramway doit être un facteur de développement, pas une occasion de détruire le centre-ville et ses commerces. Et ce, sans parler de la sécurité des habitants de la rue Jean Jaurès et des enfants scolarisés dans le secteur.